Bonjour et bienvenue à tous. Adressé à chose à l'Ansana Kouyaté. L'Ansana Kouyaté, c'est la première information, nous allons la... Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Partagez. Monsieur Kouyaté PDN. Monsieur Kouyaté. Voilà. Monsieur Kouyaté. Je le juste le Saint-Coran. Ils sont... Amara est allé te rencontrer hier. Il est parti te rencontrer hier, Amara. Avant-hier, du moins. C'était Amara avant-hier. Et hier, c'était Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de négocier, mais je préfère donner l'information à mes amis. Merci, grand frère Gomu. Voilà. Je préfère la partager. J'ai les images ici. J'ai tout qui est à la mine ça. Les images sont là. Monsieur Lansana Kouyaté. Wallahi bilatalai. Monsieur Kouyaté. Kouyaté Pédène. Tu as menti à ce pays. Tu as roulé ce pile à la farine. Je venais d'être fonctionnaire lorsque tu es devenu premier ministre. Kalil Koulibaly, comment vas-tu? Aïssa Koulibaly, comment vas-tu? Je venais d'être fonctionnaire lorsque tu as été nommé. C'est-à-dire, bien avant, j'étais déjà en fonction. Mais être fonctionnaire de la République, c'est bien avant ton arrivée, mais presque commencer mes vraies activités, c'est avec toi. Elle va très bien, Aïssa Koulibaly, elle va très bien. Donc, le président Lansana Kouyaté, paix à son âme, nous n'avons pas la mémoire courte, avait autorisé, comme ce que Diomaye Faye est en train de faire au Sénégal, lister un nombre de marchandises à exempter de taxes au port autonome de Conakry. Et c'est ce qui a été fait. Les gens pensent que c'est par rapport à ton niveau, par rapport à ton intelligence, parce que au fait, ils ne savent pas. Quand on fait des listes, on en va au port. Les douaniers, le directeur du port, le directeur national de la douane sont au courant que ces produits-là sont exempts de taxes. Mon champion Max Fodel, en ce temps-là, Olekera. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as profité de cette baisse parce que tu avais promis à Lansana Kouyaté. Tu avais promis parce que tu n'es pas un homme de parole. C'est ce que tu as fait aussi avec le président Lansana Alpha Condé. Tu n'es pas un homme de parole. Hey, Ikouma Kante Salla. Tu sais pourquoi je félicite toujours Jenassé Kouba Konaté. Voilà pourquoi je l'aime. Malgré ses défauts, Sékouba Konaté connaît tous ses bandits. Dès que tu dis le nom d'un opposant ou bien d'un ministre, il te dit carrément. Il ne ment pas. Il dit appelez-le jeudi devant lui. Parce que je ne le dirai pas derrière lui. Appelez-le jeudi devant lui. Sékouba Konaté là. C'est comme le médicament de Idi Amin, c'est Dadis. Dadis connaît. Il dit, c'est un délinquant. J'aime les mots là. C'est un délinquant. Il a dit, comment vas-tu, champion? Toi, tu as accepté la visite d'Amara. Amara. Tu as accepté la visite d'Amara. Aujourd'hui, c'est clair. Vous avez vu les affiches. Comme nous l'avons dit, Doumbouya sera candidat. La suite là. Nous connaissons les responsables. Je ne m'inquiète pas pour ça. Moi, je ne m'inquiète pas pour la candidature de Doumbouya. Ce sont les conséquences qui m'intéressent. Que personne ne fuit devant les conséquences. Devant les conséquences. L'ensemble que tu as reçu, Amara, parce qu'aujourd'hui, là, il paraîtrait, c'est toi qui dois diriger cette coalition des patriotes pour la continuité, selon les informations, je les ai vérifiées. Oh, hey yo, il faut être devant ça. Quand on dit quelqu'un est politiquement mort là, c'est toi.
Mets-toi devant une coalition pour soutenir la candidature d'un militaire, de surcroît un légionnaire, de surcroît qui a le sang sur les mains, qui est en train de liquider les malinqués, des officiers malinqués. Tu étais là, hein, au temps de Sékou Touré. Nous avons été très clairs, au temps de l'ancien Accordé aussi. Les gens ont voulu ici mettre tout cela sur la côte. On s'est opposé. Nous connaissons les responsables des exécutions de 85. Tu en sais beaucoup. Hey, tu n'es pas étranger à beaucoup de choses dans ce pays-là, ça l'a culotté. C'est ton épouse qui devait être notre chef de département lorsqu'elle était à l'université. Rapidement, quelqu'un avait averti Dr. Yazora Soropougui sur tes intentions. Parce que l'épouse de Dr. Yazora Soropougui était la médecin personnelle de Hadia Harriet Conté, paix à son âme. Je te dis, j'étais dans la commission à l'université, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ceux qui me connaissent, la Farana, connaissent très bien Benito. J'étais dans quelle commission? Et les manifestations de 2000-2002, là, il faut te renseigner. Quand nous avons appelé, nous avons imposé, donc, c'est nous qui avons dit, et je le répète, les gens ont bataillé pour que Dr. Morlaï Kindia Sila soit chef de département. Les gens ont dépêché les autres départements qui n'étaient pas concernés par le département de médecine vétérinaire. Dr. Morlaï a été, les gens ont été dépêchés à Conakry, à l'enseignement supérieur, pour débattre, parce que personne ne voulait ton épouse comme chef de département. D'abord, elle n'est pas vétérinaire. Elle n'était pas vétérinaire. C'est une histoire. Ceux qui sont de l'ISAV, de 99 et autres, là, savent très bien ce qui s'est passé. Tamba qui croit qu'on va dire. Connaissant, hein, connaissant tes connaissances, c'est pas ton épouse, tes connaissants. Très bien de quoi tu es capable. Un manipulateur. Parce que les gens m'ont dit à Yazora Soropougui, si la dame la vient ici, elle va prendre ta place. Si la dame vient ici, parce qu'en ce temps, on connaît ce qui s'est passé. Tu avais roulé, on se rappelait, tu avais roulé, oh, tu es un manipulateur, tout fin connu. Tu as accepté la visite de Amara pour que tu sois le président de la grande coalition, je dis bien, la grande coalition, pour que Mamadi continue à gérer ce pays. Il n'y a pas de problème. Et c'est Mamadi Doumbouya qui ne parle pas, c'est un politicien. Tu as reçu la visite de Doumbouya. C'est ici. Aujourd'hui, là, Dieu merci, je travaille avec ces petits. Je travaille avec les vrais enfants, les vrais patriotes. Je dis, les vrais patriotes. Ah, Binta Yalono, Soumbouya, oui, comment vas-tu? Bonsoir, Fatmata Binta, comment vas-tu, madame? Ça va? Marchou de Soumbouya, ça va? Attendez, je vais montrer ça aux gens, attendez. Je vais lire la façon dont... Attendez, excusez-moi. Ça dit, le vrai bandit, c'est celui qui fait semblant d'être l'homme. Être le vrai, et pourtant tu n'es qu'un, t'as dit, un simple manipulateur. C'est tout, hein? Voilà ici. Voilà. Bonjour, grand frère Benito, comment vas-tu? C'est XL. C'est comme ça. Moi, je l'ai nommé XL. C'est XL Urgent. Visite Sékouyaté. Avant-hier, Amara Kamara était Sékouyaté pour discuter de la gestion de la grande coalition En Marche. Ça, c'est un. Numéro deux. Deuxièmement, Doumbouya, hier, Doumbouya, le grand escanté, mon grand. Respect, Bingyanima. Voilà. Bingyanima, grand escanté. Donc, avant-hier, Amara était chez toi pour discuter de la mise en place de cette grande coalition. C'est Doumbouya en personne, hein? Doumbouya qui se déplace. Oh, qui se déplace pour aller chez toi. Là, c'est la Kouyaté. Ah ouais. Tu as pris de galon.
Sauf que Doumbouya ne sait pas. Doumbouya ne sait pas que tu as trompé Lansana Conté. Il ne sait pas. Tu as trompé Lansana Conté. Tu as trompé Lansana Conté. Tu as promis à offrir Lansana Conté de ramener toutes les institutions parce que les gens ont saboté, boycotté la Guinée pendant tout le temps de Lansana Conté. Et pourtant, Lansana Conté a donné sa vie pour le maintien de la paix dans la sous-région. Il méritait respect et considération. Si quelqu'un devait être financé, c'est lui, parce que c'était le pourvoyeur de soldats. Le numéro un, c'était Lansana Conté. Nadia, comment vas-tu? Mais qui était le secrétaire général de la CEDEAO? Mais qui a saboté Lansana Conté? Parce que tu pensais que tu faisais du mal à Lansana Conté. Et pourtant, tu faisais du mal à la Guinée, étant donné que tu étais Guinéen. Tu penses que nous, on a... Voilà, c'est Dieu qui est en train de te punir. Mansaya, mais il te qu'est Mansadi, la Guinée. Ah, la Guinée, ben, il te qu'est Mansadi. Voilà pourquoi j'ai rendu hommage tout à mes parents. Parce que j'ai, né, grandi, j'ai passé plus de 45 ans en Guinée. Et puis dans les villages, dans les préfectures. C'est-à-dire, personne ne viendra m'expliquer la situation pour toute la vie. J'ai commencé à voter en 93 à Mamou là-bas. Le temps de INR, de PRP, si vous ne savez. Moi, je n'ai pas la mémoire courte, monsieur, comment ça s'appelle? Monsieur Lansana Conté. Et pourtant, voilà, c'est l'information qui est là. Merci d'être là. Je le répète, comment est-ce que Amara peut aller te rencontrer? Amara a préparé le terrain. Et puis, vous avez négocié, parce que bientôt, Baour, il va sauter. Baour n'est pas un... Baour, là, c'est pas mon problème. Bientôt, il va sauter. Lui-même, il a compris. Parce que aujourd'hui, il est menacé par Doumbouya. Baouri est menacé. Baouri, K.O. Baouri. Baouri, Baouri, K.O. Donc, on dit qu'on K.O. Baouri, qu'on K.O. Je ne vais jamais t'insulter. Je ne vais jamais t'insulter. Mais c'est que je connais les peuls. Un peu le menteur, un peu le manipulateur, un peu le dit là. Benito sait faire la différence. Mais tu n'es qu'un peu le manipulateur. Un peu le manipulateur. C'est-à-dire, tu sais jouer sur les cartes. Fille, repose pour te repositionner. Aujourd'hui là, aujourd'hui, tu as vu la couleur des choses, non? Tu commences à être le passé, Baouri. Tu commences à être le passé. Anda l'âme. Eh Baouri, Anda, tu commences à être le passé. Tu as vu, ils ont commencé à consulter Lansana Conté. Ils ont commencé à consulter. Minima, tu es au milieu des ethnos. Tu es au milieu des ethnos. Tu es au milieu des ethnos. Nadia, ils ont commencé à consulter Doumbouya. Et Lansana Conté. C'est Lansana Conté et les autres. Aïe, aïe. Voilà, moi je refuse de m'aligner derrière les ethnos. Quand je dis ton nom là, c'est toi ton nom, pas ton ethnie. Je le dis, c'est ton nom. C'est quand je parle d'Abakar et de G là. Je parle pas de Soussou. Même s'il est Soussou, je parle de lui. Je parle de lui. Quand je parle de Baïdi, je parle de lui. Je parle pas d'ethnie. Quand je parle de Souma, finance là, je parle de lui. Je parle pas d'ethnie. Baouri, quand je parle de toi, pas ton ethnie. Tu as vu, non? Tu as vu. Les voitures, c'est Lansana Conté. Aujourd'hui, tu te demandes pourquoi les va-et-vient c'est Lansana Conté. A Famali, K.O. 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 en Famali. K.O. en Famali. Tu t'es mis dans la boue des ethnos. Hey, on t'a pris, on t'a utilisé. Et tiquet, balani. Des balles dedans, aïe. Lansana Conté va exiger. Tu as entendu son discours envers toi. Vous étiez ensemble, vous avez discuté, ah, on est le premier ministre, tu les as trahis. Donc aujourd'hui, il défie derrière Lansana Conté. Tu penses que Lansana Conté va avoir pitié de toi? Oh, j'ai dit, lui ne sera pas chef du gouvernement, hein, mais il va nommer quelqu'un que lui-même, il va téléguider, il va commander. Lansana Conté, c'est comme ça, il est. Aïe, 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 faut te calmer. C'est Doumbouya qui s'est déplacé pour aller se lancer dans la Conté. Est-ce que Doumbouya peut aller chez toi? Non, tu n'as rien compris. Tu as vu ça? C'est ça là. C'est ça là. Ça là, c'est en marche. Ça, c'est le club des ethnos.
Tous les malinqués rejetés par la haute Guinée là se sont réunis dans une coalition pour faire ça. Voilà. Sans penser aux conséquences. Sans penser à Anao et Tagui, oui, exactement. Sans penser aux conséquences. Monsieur Ehala, Ekao Baouri, si tu n'étais pas mon oncle, hein, monsieur Baouri, Mien n'était nos recto verso, mais je respecte mes oncles. Parce que je ne sais pas pourquoi tu as accepté. Hey, jusque-là, je me demande, je connais ton bagage intellectuel. J'ai étudié avec ton neveu. Il a fait haut et fort et environnement. Comme on a au cabine 2, Sectoria 1, il faut demander à tous ceux qui ont fait Farana. Il y a le bloc Sectoria 1, Sectoria 2. Diangabi, bonsoir. Sectoria 1, Sectoria 2, à Farana. Il y a Sobazek et Sobazek dans Farana. On était devant. Moi, j'ai fait juste un moment là. Mais mon lit, j'étais avec les Djulde et le patron aujourd'hui, un projet à l'Elouma. On était ensemble. Et ton neveu, lui-même, il ne te parle plus. Hein. Voilà un patriote. Il ne te parle plus. C'est ton neveu. Hein. C'est un peu. C'est ton neveu, mais il ne te parle plus. Parce que lui se demande, avec tout ce que tu as eu comme bagage intellectuel, « Yetu golhore mado ya jonal, jonal, la moussori. » Tu n'as rien compris. Excusez-moi. On va passer à l'étape suivante. Excusez-moi. Chers frères et sœurs, comme annoncé, les anciens billets francs guinéens sont de retour. Monsieur Souma, monsieur le ministre, moi j'ai suivi, monsieur le ministre, lorsque vous avez été nommé. Souma, lorsque tu as été nommé ministre des Finances, j'ai bien écouté. Le gouverneur là, je le connais, il m'intéresse pas. Hey, ils étaient avec nous, le gouverneur de la Banque Centrale actuelle là. J'étais avec nous. C'est lui qui a ramené Bandiaribo. Vous avez fait une réunion, il y a de cela deux semaines, pour ramener les anciens billets. C'est regrettable. Depuis hier, là, j'ai exigé aux frères, je dis, fais la vidéo, tu m'envoies. Tu fais la vidéo, tu m'envoies. Si tu n'as pas la vidéo, je ne ferai pas passer. Tu m'envoies la vidéo. C'est un hypocrite, oh. C'est ça même, c'est un hypocrite. Ah oui, je me rappelle, il a manqué d'argent, c'est ça, Yannick a raison. Peut-être c'est la recherche de l'argent. Monsieur le ministre des Finances, je ne serai pas long. Je vais d'abord montrer la vidéo au Guinée. Vous avez mis, je ne sais pas comment on dit ça en français. Je ne sais pas si c'est injectable ou je ne sais pas si c'est mettre sur le marché. Vous avez mis plus de... Écoutez très bien le chiffre exact. Attendez. Les Badilas, ce sont de faux fonctionnaires. C'est un fonctionnaire médiocre. Voilà. C'est pas l'habit ne fait pas le moine. Badilas, c'est pas l'habit. L'habit ne fait pas l'homme. Il y a des gens qui sont des ministres en petite chemise, là, des ministres en simple pantalon. Excellent, extraordinaire, exécuté. Merci beaucoup. Merci Nadi. Des ministres en petite chemise, là, simple comme ça. Des excellents ministres. C'est pas le Bouboula qui fait l'homme. C'est pas le gros Bouboula. Ah, tu ne vois pas, hein. Moi-même, ça, des occasions là, c'est pour aller à la mosquée, je mange des porte-boue. Sinon, ça me gêne même. Tu comprends, non? Merci beaucoup, frère Ismaël. Exécuté. Regardez d'abord, je vais d'abord, on va être, attendez, rapidement. Où ça est? Bande de vouriers, voilà. Je t'en vais, M. Benito, bonsoir. Pour un premier temps, je résume quoi? Pour un premier temps, ils ont éjecté 30 milliards de francs guinéens, les anciens billets, parce que l'intervention par rapport à la planche de billets n'a pas été retenue parce que l'industriel qui avait proposé de faire les planches à billets a demandé en contrepartie 10% sur 10% pour faire les nouveaux billets de 10 000 et de 5 000. Et l'idée est venue de Mourad Souma et de Baïdi et le gouverneur pour éjecter les nouveaux billets. C'est-à-dire les anciens billets reconduits en nouveaux billets. Et je t'envoie la vidéo comme tu l'as demandé. Je vais vous montrer maintenant. Moi, je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo. Excusez-moi. Ça est là. J'ai masqué parce que si la vidéo continue, son visage va sortir. Donc, attendez.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa kilio gole tiri lobo. Kwa mandirezi jama wa harai, nuduwa watango ili be yao be yalti ngol mbudi kuika banka. Harai kwa watango haki. Paske, kwa mandirezi bengwa ye wa lukol do retre mbudi ka banka. Kono be ender mbudi kwa yani, kwa mbe wadi ansi mbiye jidintongino dido dipui. Be wadi emu. Harai kwa watango ili yao be wadi ya retre be be verifi. Kala yao yalti no ya so mbudi kadipenga yonti verifi be watu de ansi mbiye jidinderton. Nola. Harai be jona ma jona sa ili tuweke be sanjata. Harai kwa watango haki lelu no. Moja. Kibe trompu de jama wa moja emudu mbudi ala. Donka harai kuduo no kwa yutini midu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Je vais traduire, ne vous en faites pas, je vais traduire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakilio gole tiri lobo. Comment dirais-je, jama harai, nuduwa watango ili be yao be yalti ngol mbudi kuika banka. Harai ko watango haki. Parce que, comment dirais-je, bien wa ye wa lukol do retre mbudi ka banka. Kono be ender mbudi ko yani, kon be wadi ansi mbiye jidintongino di do dipui. Be wadi emu. Harai kwa watango ili yao be watu ya retre be be verifi. Kala yao yalti no ya so mbudi kadipenga yonti verifi be watu de ansi mbiye jidi inderton. Harai be jona ma jona sa ili tuike be sanjata. Harai kwa watango haki lelu no. Moja. Kibe trompu de jama wa moja ya mudu mbudi ala. Donka harai kuduo no kwa yuti ni midu. Assalamu alaikum. Alaikum salam d'abakati. Lui n'est pas en Guinée. Il n'est pas en Guinée. Il a transféré de l'argent. Sa femme est partie sortir de l'argent à la banque. Comprenez, il a un compte là-bas. C'est, il est parti sortir de l'argent à la banque. La femme est partie sortir de l'argent. Il n'y a pas d'argent, hein? Voilà. Actuellement, là, c'est tous les anciens biens. On introduit, c'est-à-dire, on met au milieu des autres biens. Il dit en poulard, c'est-à-dire, faites attention. Quand vous partez à la banque, on vous donne de l'argent, vérifiez sur place, ne quittez pas. Ne quittez pas, vérifiez. Vous vérifiez l'argent. Les épingles de l'argent, on met comme ça 100 000, 100 000. Au milieu, s'il y a 100 000, il peut mettre 25 000. S'il y a 200 000, il peut mettre 80 000. Mais on répartit entre les biens. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement, là, dans toutes les banques. Vous comprenez? Donc, peuple, vous avez vu un peuple qui vit. Vous qui pensez que vous pouvez donner un mandat à quelqu'un, sachant très bien que vous n'aurez pas d'investissement. Personne ne viendra investir dans vos pays. Vous savez le jargon qui est utilisé aujourd'hui. On dit que si Mamadi Doumbia devient un civil, c'est-à-dire légalement élu, il y aura des investisseurs qui vont revenir. Je le répète, Lansana Conté et Doumbia sont différents. Ce n'est pas les mêmes personnes, hein. Lansana Conté, Mamadi Doumbouya ne sont pas les mêmes personnes. Lansana Conté ne va jamais massacrer les gens. Lansana Conté ne va pas kidnapper, exécuter, le fera pas. Nous avons entendu Charwa d'ici là. Parce que normalement, le ministre de la Justice doit être saisi. Ça là, nous gardons la vidéo. La vidéo originale, je l'ai, nous allons garder. Tous ceux qui ont eu ces idées là vont répondre devant un juge. Que ce soit très clair. Donc, quand vous partez, si vous partez chez 10 millions, je vous le jure, ils mettront 2 millions à l'intérieur. C'est la vérité. Donc, vérifiez vos biens. Vous comprenez? Je voulais vous montrer cette partie. Parce que j'ai fait attention pour ne pas que le visage de son frère sorte. Il y a son épouse aussi. Parce qu'ils ont fait la vidéo, ils ont envoyé les frères. Et quand on va, c'est les commerçants pour acheter là. Les commerçants là savent très bien faire la différence entre les anciens biens et les nouveaux biens. Les commerçants ne prennent pas. La dame était obligée de faire la vidéo, envoyer à son mari. Oui, envoyer à son mari. C'est la vie. Il était obligé. D'ailleurs, ils ont masqué. Parce qu'il faut le faire. Vous comprenez? Parce que, imaginez si son mari n'est pas compréhensif. Qu'est-ce qu'il va dire? Que sa femme est une voleuse. Que sa femme ment, c'est rentré sorti comme ça. Moi, c'est ce que je le dis. J'ai dit, parce que la personne est en Europe. J'ai dit, bon, ils n'ont qu'à faire la vidéo. Fais la vidéo, tu m'envoies. Moi, je voudrais voir la vidéo. Je connais moi-même, je connais entre les anciens biens et les nouveaux biens. Dès qu'il m'a envoyé, j'ai vu, j'ai dit non. C'est ok, c'est bon. Donc, c'est pour vous informer, chers frères et sœurs. Il n'y a même pas d'argent en Guinée. Je sais que vous vivez de votre salaire.
C'est normal de faire un communiqué pour dire les anciens biens reviennent. Mais ce n'est pas normal d'introduire les anciens biens dans les nouveaux biens, et puis laisser circuler. Quand les commerçants arrivent, les clients arrivent devant les commerçants, on les bloque. Non, ça c'est l'ancien bien, ça ne marche pas. Tu ne peux pas aller à la banque. Qu'est-ce que tu vas aller dire à la banque? Et puis tu vas à la banque, ils refusent, ils ne prennent pas. C'est ce qu'il dit en poula. Ça, il dit que y a tata. Donc faites beaucoup attention. Donc portez-vous bien, vous savez. Les gens ont dit que mes vidéos sont trop longues. Donc, il n'y a pas d'argent, c'est vrai. Ils n'ont pas d'internet. Vous avez raison. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous laisser ici. Monsieur Souma Mourana, monsieur le gouverneur et ta bande, vous êtes déjà sur la liste. N'oubliez pas. Comment vous, les techniciens, les réformes, parce que les réformateurs sont venus réformer, changer ce pays. Hein? Vous avez eu l'idée de ramener les anciens biens. Que vous avez... Personne n'a dit à quelqu'un de retirer les anciens biens là. Le retrait s'est effectué à quel moment? Hein? Tant que vous vivez, merci Gabi, tant que vous. Hey, moi, je l'ai dit depuis le départ, la vie de là-bas. Vous ne verrez jamais la lumière parce que ce que vous avez fait là. Tous les bons musulmans savent très bien. Quand tu fais du mal à ton karamoko, celui qui t'a enseigné, celui qui t'a fait du bien, tu l'élimines, tu lui fais du mal. Là. C'est un problème entre Dieu et toi. C'est un problème entre Dieu et toi. Hein. C'est pas un problème entre vous. Non. Ton bienfaiteur, celui qui t'a lavé, qui t'a rendu propre. C'est-à-dire, c'est là-bas où Dieu défend quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu même se mêle dans ça. Ça, là, il se mêle. Ça, c'est comme quand on te dit, ne fais pas du mal à ton voisin. Ce qui est entre ton voisin et toi, il faut demander pardon. Hein. Ça n'ira, tu n'iras pas ça avec, devant Dieu. Ce qui est entre ton voisin et toi. Vous réglez ça ici. Il faut demander pardon à ton voisin. À plus forte raison, celui qui t'a enseigné le Coran, ou bien qui t'a donné une connaissance biblique, ou bien hein, celui qui t'a lavé, qui t'a rendu propre, qui t'a donné une lumière. Tu reviens, tu le chiffres. Tu le chiffres et puis tu l'humilies. Hey. Ça, là, ça se règle ici. C'est Dieu qui défend ton maître. C'est Dieu qui paye pour ton maître. C'est Dieu qui paye pour ton bienfaiteur. Voilà. Et c'est dans ça, là, le peuple se trouve. Ceux qui ont fait du mal à leurs bienfaiteurs, là, aujourd'hui, Dieu est en train de les faire payer. Mais qui souffre, c'est la population. Voilà pourquoi nous demandons pardon. Tous les jours, nous sommes en train de demander pardon à Dieu. Donc, c'est ça. On dit, voilà, une dernière fois. Attendez, il dit de montrer les biens une dernière fois. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment dirais-je, haray ko watango il yawo be wado ya retrait be vérifie kala yawo yaltino ya so mbudi kadi penga yonti vérifie be watto de ancien biais ji din ton vérifier haray be jonna ma jonna sa il toy ke be sanjata haray ko watango hakile do non merci frère voilà donc c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.